Ban mi yon ti limye men, ban mi yon ti limye souple, pou mka we. Pou ki sa senek yo fe soufri, pou ki sa senek yo fe soy, pou ki sa nek baga manje. Espérer nos croix. Tout le monde qui baptisé dans Jésus et qui était cherché pour le même chemin avec elle sur terre, gagne pour y lever avec même la vie avec elle. C'est avec assurance ça. N'a demandé bon Dieu pour le bail. Joseph Emmanuel Chalmay, la vie qui pas jamais finir. La vie papa, avec petite là, avec l'Esprit Saint. Et nous-mêmes, c'est ma frémio, c'est pour bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Papa, avec petite là, avec l'Esprit Saint, bénis-nous bien, bien. Oh,
très émouvante, les funérailles de Joseph Emmanuel Charlemagne, chanté en présence de nombreux artistes, dont Bito Baoba, qui était qu'on fonctionnait avec Mano Chalman, comme Bito Calfour, à l'époque que l'été qu'on vraiment considéré comme la coqueluche de la jeunesse universitaire en Haïti. Il y a un pile d'artistes, musiciens de différentes danses qui étaient payés présentio à souhait dans l'église Notre-Dame pour être capable, bien sûr, de venir rendre hommage à Mano Chalman. Donc, avec ton origine Kwaku, qui c'est un proche ami de Mano Chalmay qui t'a suivi cérémonie en tout. Régine, dis-moi, qui s'est retenu quand même de paroles qui parlaient là-yo? Effectivement, Patrick, c'est une cérémonie qui est extrêmement émouvante. Moi-même, moi touché par lui et surtout et paroles, messages que Père Réginal t'a appris. L'un côté que la Dzou, qui Jean, que Mano Chalmay lui-même t'a touché. Donc ça veut dire pas gain yon moun moins quoi que musique Mano pas touché et n'importe qui moun que qui pratiquement gagne yon conviction côté que li vle que nous voyons Haïti meilleur et ben parole Mano yo normalement dans musique li touché tout en chacun et effectivement gagné en pile artistes qui étaient là parmi lesquels t'as qu'on dit Patrick Bito Baoba, gain Kiki Wainwright qui l'a tout et gagné en pile l'autre Aubry Blague qui l'a donc gain en pile monde qui viennent participer dans Roublé ça, une belle cérémonie ça. C'est parti cérémonie religieuse là qui n'a pas justement parlé de lui-même là dans l'église Notre-Dame. En parlant de culture, nous gagnons avec nous un ancien cavalier polka de Mano Chalmay qui c'est Bito Baoba, Bito Baoba dans Combite Calfour, Bito Va qui a soit devenu une présence là dans cérémonie religieuse ça pour Mano Chalmay. Moi rappeler les grands moments de Combite Calfour dans Calfour. Moi c'est pas seulement Combite Calfour, il y a plusieurs autres activités. Moi même moi rencontré Mano dans chorale Combite Calfour en effet. Et monsieur fondé quoi de Combite Calfour avec moi, il est moi. Nous fait des parcours ensemble. Moi, je me compte que nous sillonnons plusieurs, toutes provinciaux dans le concert. Nous fait des concerts dans toutes provinciaux. Et je pense que c'était. Là, on a goûté campé beaucoup de Mano, c'est une cause où tu es embrassé. Et cause là, c'est une cause simple, c'est que vous pensez à un pays et vous voulez que le pays a changé. Vous voulez que le pays a tourné l'autre bagaille. Et ça n'a pas de bien prix pour nous. Nous sommes jeunes. Fait que fin classe nous étude nous entrer dans bataille ça qui te gain danger te gain mourir te gain toute qualité bagaille et moi nous te connais mais nous même nous te connais et moi pense que c'est un exemple bien rendre hommage là bien dire merci parce que nous dit que première fois que monté son scène dès qu'on a joué à monsieur l'homme pour recevoir prix concours musique Haïti. Mano, c'est le premier nègre qui dit que monsieur dit viens chanter. En musique que je composée, que je ne peux pas chanter, mais monsieur dit viens chanter. C'est un premier pas que je fais dans chanter. Et puis, Mano, c'est un bon conseiller pour moi. Monsieur Bam des conseils que lui-même, le film fait des erreurs et que monsieur dit, mon cher, pas fait telle erreur. Et je pense que ça a été très important et que je suis là. Et même Bito Baoba, dis-moi, qui influence Mano Gagné sur la musique ou qui ça au cran? En fait, c'est sensibilité. Ça veut dire, l'obtention des mounes, ou qu'il y a même courant sensible là, tout ça veut dire, monsieur, qui a un courant sensible que l'a fait passer, ou cultiver courant sensible ça, qui permet que même vous véhiculez les messages pour ne pas le passer. Et je pense que le message qui était plus fort que m'apprendre, monsieur, c'est dialectique là.
c'est qui comment on peut faire un message pour la passer à travers un éco cultivé qui vient permettre qu'on vienne utiliser même langage. Ça veut dire que il vient enrichir langage pas pour me faire un message que moi-même moi pour me passer. Même j'aime te dire que boulot enrichit musicalement langage. Mon bon langage musical que me prend dans boulot et bon bagage que me prend dans mano, je pense que dans domaine lyrique quand pile parole que m'apprendre et en pile analyse que moi vais faire. C'est ça. Merci Bido Verba, moi connais que en pile la production plaisir. Que c'est si qui est assez babillé. En plus, le monde capable de tirer des messages qui sont très forts dans la musique de Bito Vaoba. Nous allons passer avec le commissionnaire Jean Monestime qui était dans la salle là, dans l'église Notre-Dame, pour capable assister à une cérémonie religieuse. Il y a un hommage que toute communauté a venu rendre à Mano Charlemagne, Joseph Emmanuel Charlemagne, qui lui-même lit là, lit. Drainé derrière lui en pile artiste en pile musicien en pile monde en pile monde dans secteur culturel là mais tout politicien puisque Jean Monestime c'est un commissionnaire qui est dans Mamie Dade County Commission et puis il y a tout Bojlin qui est même dans Lodo Hill donc c'est peut-être moi c'est le premier haïtien qui est élu dans zone là commissionnaire bien content que communauté en réponde et c'est sûr que l'organe calibre de monde qui là c'est en pile monde qui et Mano t'a impacté la vie d'une façon positive. Par exemple, message Mano, c'est un message qui vraiment t'a touché en pile jeune cœur et en pile nous-mêmes qui dans le leadership qu'on y a, nous sommes devenus activistes dans la même époque que Mano t'a chanté. Et deuxièmement, c'est que nous réalisons que nous avons perdu un potomitant communauté hein, un peu trop tôt. Mais cependant, comme décision ça ou bien réalité ça ou pas dépendre de nous, et il y a un pouvoir en l'air qui est plus puissant, qui contrôle la décision qui l'on a mouru, qui l'on pas mouru. Donc nous obligé d'accepter. Mais cependant, et nous avons dit humainement, c'est un peu trop tôt. C'est ça. Mais c'est la réalité. Voilà. Monsieur Bourguignon, vous sortez dans notre délégué, vous êtes élu. Dis-moi, qui est ce message qui transpire dans l'œuvre de Mano Fesso comme impact? Bon. Mais c'est moi, sorti dans North Lauderdale de préférence. Et c'est ça dit un peu pour moi parce que depuis Haïti, très tôt, je me songeais que Mano message Lio, Chan Lio, qui est très engagé. Et il mettait son exemple pour nous-mêmes, jeunes qui t'a suivi. Et moi, on voit que y a un monde comme ça, que c'est y a un monde que le pays a perdu en pile, et on nous dit diaspora tout perdu. Donc, vraiment, me retrouver dans pile, dans la chance, surtout dans l'époque que l'État bataille en pile pour la liberté en Haïti. Et pour ça qu'il fait dans la communauté haïtienne là, et surtout dans le pays. Là. Et d'ailleurs, c'est l'Emtabine là, un jeune homme qui fait ici. Il dit, papa, quand tu parles, il m'explique qu'il connaît parler. Il dit, mais non, ça dit quelque chose. Moi, il dit, mon père, alors qu'il parle même. Quand il dit, il connaît chanter déjà. Il me dit, oui, mais moi, mais comment on fait quand il dit, il me songeait qu'il jouait la musique très bien. Un jeune garçon quand même. Donc ça dit en pile. Donc travail Mano rete et les suivre en pile. Donc c'est un grand père pour la communauté hein, quand même. C'est intéressant que de monde qui est élu, qui je n'ai jamais dit à la, t'es bénéficié probablement de expérience Mano parce que Mano quand même était dans la diaspora. À pas oublier que Mano a connu l'exil dans les années 80 et il est retourné en Haïti, là il peut coller bon côté de la jeunesse universitaire, n'a sensibilisé au sous nécessité pour que yo ouais plus clair dans la vision pour pays a Mano Charlemagne après retourner en exil après 91 après le coup d'état et il y a pile mobilisation qui est faite dans la diaspora pour te permettre que donc gain un changement qui opère en Haïti mais malheureusement commissionneur à mon estime Jean Tabzili dans plusieurs émissions à la TV, Mano mouri, c'est vrai, mais changement tap gourmet pour yo pas arriver cristalliser le paquet à wayo. Bon, ça c'est un aspect dans le leadership que en pile monde doit commencer besoin vienne accepter. Il pas suffit que on monde rete ou résigné ou pas travail et puis parce qu'on pense au pas pour ouais changement. Mais cependant, nous avons dit Mano mouri comme un grand homme parce que ça destin le demandé pour le faire. Hein? Exigence que le dégain, appel que le dégain pour le servir communauté, pour le demander changement.
et ben pas rien dit que situation ta capi mal n'était pas pour et ben militantement non. Et sous rappeler bien gagné le docteur Pierre Mendès Alcindor même à faire radio avec lui ensemble avec Jacques Pierre Louis et Mathias Honoré et Max Ossinal. Et pendant des années, nous commençons l'émission œil de la communauté avec une musique Mano Charlemagne qui était engagée. Parce qu'à cette époque, c'était une émission très engagée qui était non seulement pour aider à porter changement en Haïti, mais pour porter changement ici, tout dans la communauté haïtienne. Et c'est ça qui débouchait la communauté. Ça. Les gens ne vont pas porter changement et en Haïti, mais cependant, Mano a un gros impact en Haïti. Et tant que je le pape dit ça tout à l'heure, je rencontré l'ancien député Philippe Boutus dehors. Il me dit c'est sûr, à 100%, je connais quelque soit circonstances, si M. pas en voyage là, parce que c'est un groupe de monde à cette époque qui était vraiment quoi dans le message Manoyo. Et si par hasard, ça n'a pas porté changement en Haïti, mais cependant, nous quoi ça porté en pile fouille ici aux États-Unis, particulièrement dans ma Miami-Dade County. Merci, conditionnel mon estime, le mot de la fin, qui s'est d'ailleurs, M. Boyle? Bon, et c'est avec regret que nous perdons une grande tête et un grand combattant, m'ta dit que, et moi, m'ta même dit que, m'ta pas quoi travailler en vain parce que, et monsieur était son monde qui, un visionnaire, puis il vraiment fait un grand impact sur plusieurs mondes. M'crois que monsieur, il semait quelque chose et payant vraiment pas arrivé côté d'un niveau que même quoi elle fait un grand pas quand même donc son grand tête qui perdu et ça grand impact et donc monsieur ni bien que le mourir mais œuvre il était là il laissait un pile à inspirer l'autre monde tout. Mano okay. Écrit un pile œuvre qui marquait toute une génération et je crois que la postérité a bien pour continuer puiser dans l'œuvre et la vision de Mano. Je crois pour nous finir, vous voulez ajouter un bagage. Ça me l'a dit Patrick, au nom de famille moi, au nom de toute communauté haïtienne que je représente par ici, au nom du gouvernement Mamité de Cantillan, Mblé, et vous voyez condoléances moi à toute famille et Mano et particulièrement tout militant et qui t'en sympathise avec lui et peuple haïtien en général. Voilà. Merci, commissionnaire, mon estime. Merci, M. Bojelin. Nous pourrons continuer à parler avec invité, des élus officiels qui ont même participé dans la cérémonie religieuse à Soya, côté que l'église Notre-Dame est rehaussée par la présence d'un pile artiste pour eux-mêmes saluer le départ de Joseph-Emmanuel Charlemagne, dit Mano. Nous avons avec nous Mme Daphné Kembo, qui est sénateur, première femme qui est sénatrice. Talassie qui pourrait venir parler avec nous, partager l'idée avec nous tous de balancer et pression de qui Jean les mêmes li comprennent le départ de Mano Charlemagne. Je crois qu'elle t'a parlé avec la famille Mano, il était souhaité que Monio, yo même tout, yo prend courage dans le départ Mano. Donc, yo élu Chita, on élu levé. Donc, Madame Daphné Kembo, au présent. Au président Souyana, c'est mon Issam. Dis-moi qui s'en est prouvé. Well, vraiment, l'aime que moi entendé Mano mourir, c'est moi j'étais très ému parce que nous sommes juste pour fête des meilleurs en meilleurs. Nous avons une grande fête, nous avons fait dans notre Miami Beach Theater. Et il était là, il était fait chanter pour moi-même. Moi, j'étais pendant que j'étais dans l'audience là. Et puis, même Mano qui crée, on chante juste pour moi-même. So vraiment que moi so dit par en famille dans ça nous pas qu'à questionner bon Dieu les que ou bon famille ou qui mourit parce que c'est bon Dieu créé nous les pour aller les relé nous faut aller but Mano c'est mon ka dit non c'est one of the icon qui quitté communauté haïtienne non et vraiment moi ouais son leçon lié pour nous mêmes qui parents pour nous ka testimonio. You know, histoire, you know, moun iconic haïtien yo, un moun qui, you know, quelque soit sa capacité en Haïti, que il faut qu'il juste font chant avec, ou ouais, vraiment parti, c'est un bar qui affecté en pile dans nous. But nous souhaiter famille en condoléances, parce que vraiment, l'opé de son famille, qu'on pas besoin moi encore, son gros bar lié. But ou konnen le bon Dieu a fait travailler no matter what parce que c'est lui qui créé le so communauté a perdu vraiment yon bon monde yon monde de bien un monde honnête un monde que qui très respectueux et moi dit toute communauté haïtienne nan kembe la
on nous continue à prier, on nous continue à travailler ensemble, parce que nous ne pas comprendre ce qui a passé, nous avons perdu tout gros Autobrio, yon by one, nous avons perdu Farez, nous avons perdu Camelo, mais qu'on y a là, c'est Mano. So, Mano, faut que je dise que nous avons perdu un gros peintre qui a connoté, c'est Wilfried Daleus, qui est mort même dimanche que Mano fait voir là. Exactement. So, moi, je dis tout le monde, you know, à nous prier et moi dire que me dit que his soul rest in peace parce que l'aller vraiment où t'as des prêches père original ben là son bagage qui extraordinaire parce que t'as des paroles là très frappé moi-même et moi connais famille là en pile tristesse mon cas dit famille là Kembela parce que grand bon Dieu les bon Dieu avant la net et la Bible dit I will never leave you nor forsake you. Et son bagage vérité lié que mandé que toute famille nan pour cap you know prend courage. Nous gagne tout yon militant politique qui c'est Tony Jean Ténor, nous gagne ou même tout au son militant qui probablement inspiré du message de qui t'est inspiré du message de Mano Chalmay au saut pays tributaire même là qui ça moment ça plaisir. Bon, moi alors on t'a loin Mano l'hôpital Montagnain travaille longtemps. Et nous t'a nous avons fait débat comme d'habitude. Nous avons habitué depuis 1987. Monsieur Téfem connaît que bon, la mort c'est un passage obligé. Pas grand monde sous terre qui exempt. Mais lui-même en tant que Mano Chalmay, lui-même peut-être comme se prend la bataille, mais son monde qui a toujours été vivant. Parce que à partir de conseil de message, alors partie artistique, monsieur. Les mélanger de en grande partie de messages que monsieur dévoyé pour monde dans comme les pauvres d'ailleurs gon chanté monsieur Gayen qui dit 6000 monde qui gagne l'argent malgré toutes vieilles âmes yo gagne yo pas craser nous mais yo dit li dit s'il était petit précurseur côté il te dit que moun yo dit que moun en dehors moun gen baptiste qui pa gen baptiste paysan yo dit moun sa yo pa konn li sa yo dit et pour ka soucé pour ka valé yo mais li même Mano avec un pile militant qui de gen conviction yo même yo konnen yo pa jan mouri en moun sa yo koyo physiquement on koyo pour aller mais moun a toujours besoin qualité message sa yo qui te gagner non différents chanter que Mano te gagné ou a toujours besoin de chanter ça pas seulement en Haïti regardez ça qui passe à travers un pays comme la Libye regardez ça qui passe un pays comme le Venezuela tout pays ça a été inspiré de chanter Mano et l'élément de New York en 1947 que moi même passe un bon temps avec le New York comme monsieur que les tonton Guy qui était composant puis chanter ensemble avec monsieur. Eh bien, chanter ça, on te dit, chanter ça après pour la postérité, pour le temps et l'éternité qui a venu. Donc, je dis, nous venons là, nous ne venons pas dans le moment, parce que Mano n'a pas mourir. Mais, on connaît Mano gagné deux parties dans la ville, c'est la vie sociale de Mano. Et il gagne la vie et activiste, et qui était comme si c'était en pile conviction jusqu'à 1992. Ouais. Et mais parti ça c'est le dominant dans vie Mano parce que sorti et dans Marco et Mano pour jusqu'à ce qu'on arrive dans l'organisation mondiale etc. Combien de calfo c'est ton lot ça t'a trop petit pour parler de Mano ça. Donc camarade ça c'est son camarade qui nous voit école aller mais camarade qui est le Mano Chalmay là camarade ça a prêté vivant avec nous pour tout en avis. À travers œuvre. Génération prochaine qui a venu a besoin de chanter ça pour inspirer, pour avancer. Tony Jean Ténor, malheureusement, qui n'est pas musicien, t'a fait ténor non jazz. On parlait avec Richard Laguerre, qui était qu'on accompagné Mano et dans toute prestation de Lyon, notamment dans Tap-Tap. À ce moment très triste pour Richard. Oui, à ce moment qui est vraiment triste pour moi, mais. Je ne sais pas si je suis un petit courage, je moins comprendre ça tout, parce que si je n'ai pas la vie, je n'ai pas la mort. Nous venons, il faut que nous allions. Et puis il faut nous commencer à habituer nous avec ça qui a fait une journée. Je suis triste, c'est vrai. Et ça qui est important pour moi, c'est que je pense à Mano quand on chanteur, on compose. Mano, c'est ton message, il dit. Mano, pas vraiment un chanteur, un musicien, quand on joue à Mano, concevoir.
les appli textes ou bien gen moun ki kanpran kreme musique pour tant des textes et moun kreme musique pour danser mais messagement nou yo c'est pas question gen moun ki focus seulement pour les plus petits seulement son message humain li son message quand qu'on marche en unis li pa question de nèg en haut nèg en bas bave les moun yo spécifier bagay la que moun ki plus petit seulement man nou pote lumière pour tout moun parce que le soleil la clairi li clairi pour tout moun prend même chaleur. Sinon, sous un air conditionné ou en dedans, mais la ligne n'a clair que pour nous toutes. Problème Haïti, c'est problème haïtien. Il n'y a pas problème nèg en haut, nèg en bas, belle nèg, nèg riche, nèg pauvre, tout le monde. Et ça fait moi, même pour moi-même, c'est comme Aïssoua, car l'esprit est toujours là. C'est ça. Pasteur Lionel Simon, c'est dans l'église New Vision Baptist Church, ou là, en Notre-Dame, pour un hommage à Mano Chalmay. Ça a expliqué ça? Mano, c'est une. Dans le monde qui était motivé, 86-87, le monde était Haïti, en tant que militant, Zelza fait élève de l'école, Mano c'était moteur mouvement ça, yo, à travers chansons, yo, à travers paroles qu'il a communiqué avec jeunesse là. Ou t'es senti, ou t'es une vision, ou t'es senti un patriotisme qui t'a dégagé dans le temps jeunesse là, élève de l'école, yo, organisation élève, yo, organisation étudiant. Yo. Le Mano dans la faculté des sciences, pas un côté pour piquer Zépeng. Les Mano dans le théâtre national, pas un côté pour piquer Zépeng. Et les Mano, ou sont nos concerts Mano, là où est un militaire qui pas un bon militaire, tellement sans toucher, sans tout à marcher prendre. Et tellement qu'on saute penser, ouais, dans mes Mano. Si au monde pas de vivre Mano, 86, 87, 88, 90, 91, coup d'État, avant coup d'État, côté que Mano a mobilisé monde devant et pénitencier national, dommage par son laïe, c'est une affaire extraordinaire. Pour moi, Mano, c'est un phénomène. Voilà. Et pour moi, Vini, je ne suis pas capable de venir pour me rendre hommage à ça parce que toute famille, maman, me tire mes Mano et Mano, pour moi, c'est un booster dans la lutte que nous avons mené 86-87 contre la dictature en Haïti. Merci, pasteur. C'est moi, ouais, que Mano crée une sorte d'œcuménisme. Un pasteur qui est dans l'église catholique vient rendre hommage à Mano Didier Altiné. Bon, c'est Mano qui fait école à tous les niveaux spirituel, psychologique, et puis tout, il vient un messager avec un pile profondeur. Il va un message de militantisme seulement que le bail. Il va des messages de patriotisme. Que bon, c'est bien dommage que nous pas fêter la vie de Mano. Je me dis toujours une croyance que faut fêter via célébrer via pendant que j'ai envie pour monsieur tout le monde qui va aller. C'est seulement moi qui m'bawe. Mais en principe les messages sont là. Je fais partie de l'histoire là ici. Tout ça je dis tout message est tout là. Parce que pour moi je patriotique oublier ça. Parce que quand l'homme un petit genre un petit genre cheval sur les principes. Mais il dit ça pour le dire, et puis le message est passé. Parce que j'ai l'impression que les gens qui ont grandi comme ça, ce n'est pas pour eux, monsieur, qu'on a une pièce motrice dans la connexion avec Haïti. Parce que quand nous venons de Haïti, qu'on y a un Haïti ancien avec un Haïti moderne. Okay? Donc, il y a un jeune qui est en Haïti moderne. D'abord, moi-même, il faut être chevillé avec gens de monde qui sont censés des monuments historiques. Okay? Pour être capable réellement aider ou faire connexion avec l'ancien Haïtien, pour être capable de tirer de lui, pour ne pas perdre l'héritage. Parce qu'avec Mano, c'est l'héritage pur. Hein? Voilà. On n'y a pas de rien de sous ça. C'est ça. Et Mano, quoi a allé, mais l'œuvre de Mano a prêté à jamais. Et bien, c'est avec Didier Altiné, Didier Altiné de PNP, président NAPRA, n'a fait main aux transmissions spéciales, ça, depuis l'église à Notre-Dame, dans l'État de Haïti, côté que tu as une célébration religieuse qui t'a faite pour remettre à Tout-Puissant l'âme de Mano Charlemagne. Bonsoir, à bientôt. Bon mignon ti limye mè, bon mignon ti limye souple, pou m'kawè. Pou ki sa se nèg yo fè soufri, pou ki sa se nèg yo fè soy, pou ki sa nèg wa ga manje. La vie douce,
Mais c'est pas tout le monde qui joue et privilège ça. Gagne une série de mots, c'est pour une catégorie qui existe. Bonheur, joie, contentement, à gaieté.